Alors j'ai craqué, j'ai pris poulet, le cheval, l'apparence légendaire de Pégase. Celui-là, il est moche. Attendez, parce que j'ai d'autres. Alors, j'ai un casque, niveau 5, niveau 5. Ah, c'est que du niveau 5. Bon, bah, les armes, ça sera pour plus tard. Attendez, j'ai un petit problème de son. Voilà. En avant, Phobos. Ah, c'est dommage qu'ils volent pas. Hey. Bon, alors. On va aller ici. C'est où ici? Là, là. Allez. Un peu trop haut, là. Allez. Ah. Ah, tu t'es pris une patate, tu as fait moi le malin maintenant, hein. Allez. Alors, tuer les chefs des brigands, libérer les prisonniers et piller. Là, il y a un passage. Là, il y a un passage. Le trésor, il est là. Et là, c'est les prisonniers.
C'était un village agréable. Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie. Tu es un des deux chefs, ou que tu es l'autre. Ce côté là c'est bon, il va faire l'autre. C'est plutôt par là. Ah, il y en a là. Alors, monsieur, on se cache? Allô? Allô? Une lance et une griffe de chien. Donc il s'énerve là-bas.
Mais voilà. Alors, il va falloir se débarrasser du chien. C'est pas un chien, c'est un loup. Allez, tu peux la voir de là. Je ne suis pas un animal. Voilà. Libérons les prisonniers. Me voilà libre. Ma virtuose. De là. Tu m'as sauvé. Merci, Mystios. C'est quoi, c'est une virtuose? Ah, niveau 5. Mettre Ornéos à l'abri. Nous ne sommes pas tous comme eux. Trouve-le en me ramenant voir mon frère, Davos. Si tu le fais, mon argent sera à toi. Ah bah si c'est pour de l'argent, ok, il n'y a pas de problème. Il était pas loin, son frangin. Ornéos, nous voilà réunis. Cette Mystios est un joyau dans un tas de cailloux. Belle à pour moi, tu veux, Davos? Tout ce que voudra mon petit frère. Je t'ai dit que nous n'étions pas tous mauvais. Ah, niveau 4. Déjà. Niveau 5, niveau 5, niveau 5. Niveau 4. Voilà. Là, c'est le truc du niveau 5. Là aussi. Alors...
on va aller là. Voilà. Des prétendants. Ok, j'ai pas compris, mais bon. Apparemment, il y avait un piège, j'ai marché dessus, ça a rien fait. Bon, voilà une tombe très compliquée. Hein. Vigie de Cryptus. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. Vas-y, rampe. Voilà. Comment je les attire? Des archers! Là, faut monter ma cocotte. Allez! Voilà.
On va passer par la mer parce qu'il y a l'autre qui se rapproche. Sauter dans l'eau. Et voilà. Par contre, j'ai pas eu ce que j'ai eu. Bon, ça doit être ça. Ensuite, voilà. Allez. Épave du brigand perdu. Thank you.
Intéressant. Il y a quelqu'un ? Non, tu m'as pas vu. Ma folle sans raison. Et des bottes qu'on va pouvoir mettre. Voilà. Par contre, j'ai un point d'aptitude. Alors. Je vais prendre ça parce que j'assassine beaucoup donc. Voilà. Ensuite. Voilà. Allez. Allez. Tenue de chasseur. Ah. Ah ouais, ça lui met de la peinture et tout. Un peu, mais elle est très bien comme ça. De Zeus. Nous. Merde, j'arrive même pas à le dire.
Antonios, voilà. Lui c'est bon, hop, lui c'est bon, c'est bon. Alors ensuite, on va aller là. Voilà. Allez. Allez. On se bat dans les murs. Village de Kossos, alors il est un peu cramé le village, hein. Ouais. Un truc là-bas. J'ai vu des gens, non? C'est des gens ou... Il y a des gens, mais c'est des habitants. Allez. Attends, on va aller chercher le truc là-bas. Allez. Aïe. Des pompes. Avance. Niveau 5, on peut pas les mettre. Par les dieux. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, ça a cramé, je dirais, mais pourquoi? Des gants. Niveau 4. Voilà. Oh, oh, oh. Emmenez-les. Vous êtes des meurtriers. Des meurtriers. Bonjour. Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous ! Il veut nous garder ici ! Qu'est-ce qui se passe ? Une peste s'est déclarée à Kaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères, nos voisins ! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer ! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts.
Tu as incendié le village entier? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Chaosos par le feu. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède? Rien n'a eu d'effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Mais je ne connais rien aux histoires de peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non ! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui, et pitié ! On est à peine malade ! On va guérir ! Personne n'en guérit ! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié ! On a des enfants ! Pense à eux ! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Alors déjà, tu me menaces pas, déjà. Et si ces gens sont à peine malades, ça veut dire que la maladie va empirer. Et moi, je me tire. Pardon, mais je ne vais pas me mêler de ça. On ne mérite pas de mourir. Mais combien d'autres mourront si je vous libère? Tu auras notre sang sur les mains. Tu agis au nom des dieux. Tu as leur bénédiction. Mais toi, je veux te retrouver, hein. Tu ne les as pas sauvés? Mais Ekina, c'est mon ami. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je ne peux pas tout régler avec ma lance. Tu as vu qu'ils avaient des ennuis, Ekina. Il risquait d'infecter toute l'île, Phoibé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as peut-être raison. Il arrive que des innocents meurent, Phoibé. Même si ça nous met en colère. Je sais, mais j'aimerais que ça n'arrive pas. Je peux y retourner pour les aiguiller, hein, parce que l'autre il m'a mal parlé. Viens voir. Tiens. Voilà. Putain. Non, tu m'as pas vu. Je suis caché. On ne verra pas. Allez, cours. Mieux vaut éviter de se faire voir.
Allez, amène-toi. Allez. Oh, putain. Planqué derrière le truc. Hein. Mais il réagit zéro, lui, hein. Ah oui, il a compris. Mais non, grimpe. Cassandra, qu'est-ce que tu fous? Niveau 5, c'est parfait. Alors... Ah, les trucs se sont débloqués. Maîtrise des flèches. Tir multiple. Ah, ça c'est intéressant ça. Tir dévastateur. Ouais. Ça c'est intéressant. Ça c'est quoi? Ouais. Ça là, le truc de bouclier. Hop. Et on va le mettre ici. Alors, voilà. Je finis de découvrir toute l'île et après on ira affronter. Mercenaire. Ah.
Au fait, je suis au niveau 5 maintenant. Allez. Plus 4, plus 4, c'est bien. Plus 22. Plus 10, plus 6, plus 6. Plus 12, 8, 8, 8. On va se mettre en full épique. Voilà. Je vais voir un peu. Du cyclope. Peut-être le garder pour la fin, c'est pas une quête ça? Ouais, c'est ça, c'est la quête. On va aller là. Oh putain, il est là. Attaquera sans poser de questions. Il faut se faire discret. J'ai raté.
quoi? Bon. Il est grand temps d'aller s'occuper de lui. Voilà. Ah, Talos. Mutation à la règle. Bastion de mercenaires. C'est trop loin ça. Ah oui, niveau 25, oui. Je vais aller voir Aitak un peu, si je peux traverser. On va aller voir Aitak si on peut traverser. Thank you.
Palais d'Ulysse. Attendez. Sauvegarde. Là, il y a des gens. Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. C'est un cadavre de chèvre. Des choses, mais non, mais pas. Hey, c'était quoi ça? Allez, amène-toi par là. C'était moi. Défoncer pas qui dort.
failli me voir. Toi, bouge pas. Mot. Tu vas mourir ici. Oh, elle est jolie l'arc. Fais-moi sortir d'ici. Attends deux secondes, je tue tout le monde. Voilà. Tu ne le regretteras pas. Ne traînons pas ici. Tu sais te battre ? Oh oui, crois-moi. Il n'y a plus personne à tuer. À peine. Ah ! Casse-toi, le loup ! Merci. Quand je pense que ces Malaka ont réussi à me surprendre. Ithac est un endroit dangereux pour ceux qui se promènent seuls. Et pourtant, tu es toute seule. Soit, je ne peux rien contre tout un campement de bandits. Tu veux bien m'aider à aller au palais d'Ulysse ? Je te paierai. Je vais t'aider à te rendre au palais. Alors la chance me sourit. Comment t'appelles-tu ? Cassandra. Moi, Odessa. En l'honneur d'Ulysse et de l'Odyssée. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-haut ? Je suis une descendante d'Ulysse. Je suis en pèlerinage. Tu es de la lignée de l'ancien roi d'Ithac ? Et de l'homme qui a eu l'idée du cheval de Troie et qui a vaincu le Cyclope. Celui qui a visité la contrée des mangeurs de Lotus. Celui dont parle l'Odyssée ? Oui. Pourquoi ? Tu n'es pas la première à le prétendre, c'est tout. Eh bien, j'imagine que je n'ai pas à prouver ma naissance pour aller au palais. Bon, nous devrions nous mettre en route vers le palais. Il n'y a que des ruines. Tu t'attendais à quoi ? Je ne sais pas. Quelque chose de plus grandiose ? Mes parents m'ont appelé Odessa, en hommage à l'Odyssée. J'ai pensé qu'en venant ici, tout me paraîtrait plus clair. Et c'est le cas ? Pas du tout. Ramène-moi à mon bateau. Je te paierai là-bas. Thank you.
Tiens, voilà pour toi. Ce que je suis déçue. Pourquoi cet endroit compte-t-il autant pour toi? Tu plaisantes? Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Charybde et Scylla. Il avait tout. La loyauté. L'amour. L'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux. Ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et a fait de lui une légende. Tu es mignonne. À prétendre que rien ne pourrait t'arrêter. Je n'aime pas beaucoup qu'on me qualifie de mignonne. D'accord, t'es moche. T'es moche comme un pou. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'arrive pas à savoir si tu plaisantes ou pas. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que j'étais d'une humeur bien plus sombre avant cette journée. J'ai envie de tant de choses. Atteindre la grandeur d'Ulysse. Mais par où commencer? Si tu veux atteindre la grandeur d'Ulysse, tu dois cultiver tes talents. Il était célèbre pour son intelligence et sa ruse. Toi, qu'as-tu fait? Je suis venue jusqu'ici. Pour voir les vestiges de la vie d'Ulysse. Pas pour vivre la tienne. Je savais qu'il ne fallait pas chercher conseil auprès d'un mercenaire. Laisse-moi. Ouais, je t'ai sauvé la vie, non mais où? Bon, continuons. Là. Deux, trois... Trois, c'est tout. Bon, là, chef, tu veux pas aller voir ailleurs. Allez, on y va. Yeah!
lancer du vol. Oh les petits cochons. Bonjour. Doucement. J'ai vu un récupéré. Ah, c'est ça. Pas merci surtout. Hein. Ah, il y en a un deuxième. Voilà. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Là aussi. Hey. Le lieu sera bien défendu. Ouais, vachement bien défendu le lieu. Ça pourrait être intéressant. Là, je suis très assassinat. Mais... là j'ai pas le couvert.
Ça n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Oh. Meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès. Il peut se montrer facétieux. Oh, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. Oui. D'accord. Rassure-toi. Je vais y aller. Oh, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Mystios. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Qu'est-ce que fait? T'es où? Ah, c'est bugué! Ah! Ah oh non, j'ai été désynchronisée! Ça c'est du vol. Interview. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air, une fissure dans la paroi. Je vais devoir faire très attention par ici. Thank you.
Je sais pas pourquoi j'ai ramassé la jarre. Mais... C'est la torche, je n'en ai pas besoin. Il y a un éclat, des flèches, protégez-vous vite! Ça venait de là-bas. Je vois personne. Je vais trouver l'archer. Par les dieux. Cherche au mur ça, imbécile. Tu ne t'enfuiras pas, toi. Oh. Tout est joué. Ah, elle est là. Non, c'est pas lui, je voulais. Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Ceinture de mercenaire niveau 6. Voilà, minimum. Bon, on a tout découvert. On va retourner voir le fidèle. Aucun dieu dans ces grottes, seulement des bandits qui dépouillent les gens de leurs drachmes et de leurs espoirs. Oh, je le savais, des voleurs. Au moins tu n'auras pas à affronter le courroux de Zeus. Peut-être qu'il aura pitié de toi. J'espère que la colère de Zeus frappera ces brigands. Ne t'en fais pas, ils ont connu la mienne. Ça devrait suffire.